sommes très ravis, nous sommes très contents de cette aide-là, de la part de l'Australian Aid. Et vraiment, ça a été un souci pour nous de venir à l'hôpital voir qu'il n'y a pas de toilettes propres. Mais comme ça a été fait, vraiment, je remercie vraiment, je suis très contente pour ça. Nous avons décidé d'appuyer le pavillon psychiatrique de l'hôpital du Plancher. Et cette décision vient du fait qu'un de nos camarades qui fréquente beaucoup ce pavillon, cet hôpital, a vu l'état délabré des toilettes de latrines que beaucoup de femmes utilisent ici. Donc nous avons visité ces latrines et ces latrines étaient dans des conditions difficiles pour appliquer en fait impraticable l'hygiène. Donc on a décidé de changer, de rénover cette latrine-là. Donc un de nos constats quand nous avons visité ce pavillon, c'est que les eaux étaient, une fois que les besoins à la toilette ont été faits, les eaux ruisselaient. Il y avait pas, les eaux n'allaient pas directement à des fosses. Donc nous avons décidé de construire des fosses, de faire des grandes fosses septiques qui pouvaient contenir les eaux utilisées. Aujourd'hui, au lieu que ces eaux utilisées ruissellent, ces eaux usées vont directement dans ces fosses septiques. Et je dois dire que nous sommes très contents parce qu'autrefois, ces toilettes pratiquement étaient impraticables. Alors, s'il n'y a pas de toilettes pour des malades mentaux, ils étaient obligés pour certains de faire les urines, les selles à côté. Donc c'est un réel plaisir, c'est un soulagement pour nous d'avoir aujourd'hui des toilettes rénovées, propres et qui permettent aux malades de se soulager.